Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end du 27 et 28 mai 2023. Donc, une guidance toujours générale, intuitive. Hein, donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Gardez votre discernement, le reste, laissez couler. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner. Merci à toutes les personnes déjà abonnées. C'est très encourageant pour moi, très soutenant, donc et très important aussi pour moi de vous le dire à chaque fois, de vous dire un grand, grand merci pour ça. Donc, je le ferai à chaque fois, voilà. Alors, on est parti pour vos énergies, les scorpions. Je commence par un message de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le Télématarot et je finirai avec deux messages oracle du petit oracle des anges et du petit oracle des sagesses amérindiennes. Allez, on est parti pour vos énergies, pour le premier message pour vous, les scorpions. Le voilà. On a cette carte qui nous parle de magie de la terre. Alors, magie de la terre, on pense de suite à ancrage. Moi, j'ai une notion de rituel, une notion de prendre du temps pour penser à des choses un peu spirituelles pour soi, prendre du temps pour oui, pour faire voilà, pour faire brûler de l'encens, pour penser à des cristaux, pour il y a une notion de voilà, grosse notion de rituel, de retour à la nature, de retour à la terre avec cet ancrage, cette grande table en pierre bien ancrée, et d'avoir besoin de venir se ressourcer, besoin de se ressourcer en s'appuyant sur des rituels qui rassurent un petit peu. C'est un petit peu cette sensation que j'ai. On va regarder avec le tarot ce que ça peut nous dire sur cette énergie en particulier. Alors, on y va. Je prends trois cartes, les scorpions. La première, on a ce roi de coupe. On a le hiérophante inversé. Et on a deux cartes. Donc je les prends. On a l'impératrice et l'as de bâton inversé. Alors, de quoi ça nous parle ces énergies avec ces cartes inversées? Alors, ce hiérophante inversé. Alors, on a ici cette énergie d'un roi de coupe là, qui est en marche ou qui se dirige vers ces personnages-là, qui ces deux-là regardent droit devant eux. Ce roi de coupe, c'est la douceur, c'est l'empathie, c'est le fait de savoir reconnaître les émotions, de ne pas se laisser déborder par ces émotions, de les accueillir, d'en être détaché, de les accepter, de les accueillir, mais de ne pas se trouver complètement déstabilisé par des émotions. On a cette carte-là de quelqu'un qui est tourné vers un... On pourrait dire un couple, mais le hiérophante est un personnage seul. On a cette sensation d'une énergie aussi, on n'a pas besoin d'être conseillé. Le hiérophante en carte droite, il conseille, il apporte une vision de la vie, il apporte des clés. Il y a cette notion avec ce roi de coupe que les choses sont claires pour lui, ses émotions sont claires, ce qu'il ressent c'est clair. Et la sensation qu'il n'a pas besoin de s'appuyer sur des conseils de quelqu'un qui a de l'expérience. Qui n'a pas besoin de recevoir de leçons, qui n'a pas besoin d'avoir des clés. Il y a cette sensation aussi que il a ça en lui. Voilà. Il y a cette notion d'avoir en vous ce savoir, cette connaissance que vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Il y a une expérience, il y a une compréhension. Et
Cette impératrice, et surtout cette as de bâton qui est inversée, cette impératrice, elle dégage toujours cette énergie d'une personne qui est en gestation d'un projet. Il y a quelque chose qui est en train de germer, de pousser en elle. Il y a une créativité qui s'amorce, mais c'est pas le moment, on sent que c'est pas le moment de lancer quelque chose. Cet as de bâton, il est inversé. On n'est pas dans le démarrage d'un projet. On est dans l'élaboration, la conception, la pensée d'un projet, d'une action, de quelque chose qui va bouger. Mais pour l'instant, il y a une sensation d'attendre que les choses se mettent en place gentiment. Donc, moi, ce que je ressens à travers ça, c'est qu'il y a une énergie il y a une assurance émotionnelle, une expérience et une assurance émotionnelle par rapport à un projet qui est en train de s'élaborer, de maturer, d'être en gestation. Qui démarrera, mais pas tout de suite. On est vraiment dans la créativité, l'élaboration. Mais il y a une assurance, il y a une force émotionnelle, une forte expérience aussi, qui accompagne ce projet ou cette gestation. Voilà. Il y a une maîtrise des émotions, il y a une maîtrise des sentiments, parce qu'on est focalisé sur ce qui est en train de se préparer, ce qui est en train de s'acter. Voilà. C'est un petit peu ce que je peux ressentir. Pour revenir à cette énergie de magie de la Terre, où je vous disais qu'il y avait besoin de revenir à soi, de revenir à des choses qui sont ancrées, de s'appuyer sur des rituels. Il y a cette notion-là dans la gestation, dans l'impératrice, où on s'appuie sur des objets, sur des choses qui sont rassurantes. Voilà. Par rapport à l'élaboration du projet, à l'idée qu'on se fait de comment ça va démarrer. Mais au niveau émotionnel, il y a une grande, grande, grande expérience, grande maîtrise. Alors, comment vous vous sentez-vous? Le 2 de pentacle inversé. Vous vous sentez complètement en équilibre. Il y a une notion d'être, voilà, d'être complètement en équilibre avec ce côté émotionnel qu'on voit symbolisé par l'eau qui est derrière, qui peut être remuante, mais on tient l'équilibre, et ce côté beaucoup plus terre à terre qui me renverrait l'idée de ce projet qui est en train de s'élaborer. Donc, il y a cet équilibre entre les deux. Donc, je ressens vraiment le fait qu'il y a un très bon équilibre entre le côté émotionnel, passionnel de ce projet auquel vous voulez donner vie, naissance, et puis le côté un petit peu plus dans la créativité, dans le concret, dans le plutôt un peu plus terre à terre de ce projet. Donc vous êtes en l'équilibre se fait, vous jonglez parfaitement entre ces deux pans de votre personnalité. C'est quelque chose qui est maîtrisé de l'intérieur, voilà, qui s'appuie sur une connaissance, qui s'appuie sur de l'expérience. Alors, quel est votre point de soutien? Le 6 d'épée. Donc, votre point de soutien, le 6 d'épée, c'est d'être capable de fuir tout ce qui pourrait dans l'ego vous faire perdre de vue votre objectif. Voilà. Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes capable de tourner le dos, de laisser de côté, de laisser derrière vous tous vos doutes, toutes vos peurs, tout ce que viendrait vous renvoyer aussi un entourage en termes de peut-être de critiques, en termes de ça peut être des vexations, ça peut être des remarques, des jalousies. Vous êtes capable de tourner le dos à ça pour rester focus sur ce que vous avez envie de créer. Et vous libérez l'esprit. Voilà, il y a cette notion d'être capable de se libérer l'esprit de tout ce que l'extérieur, de tout ce qu'un environnement pourrait vous renvoyer et qui pourrait générer chez vous des doutes. Voilà. Et vous savez que vous avez suffisamment à faire avec vos propres doutes, vos propres peurs pour vous encombrer de celles des autres. C'est un petit peu ce que je ressens là.
Alors, quel est votre point de vigilance? Ah, deux aussi. Je reviens à cette carte-là, vous êtes capable de vous extraire d'un environnement. Donc, il y a cette notion-là de revenir à des choses simples, de récupérer de façon rituelle des bonnes énergies, de vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous. Alors, votre point de vigilance, on a deux cartes qui sont donc inversées. On a ce soleil et le 8 de pentacle. Le point de vigilance, c'est de faire attention de ne pas vous abrutir à la tâche, de garder du... Oui, ne pas vous abrutir à la tâche et ne pas non plus vous laisser complètement éblouir. Ce soleil, là, il était à l'envers, donc il y a cette notion qui va éblouir au point de ne pas vous laisser aveugler par le travail. C'est un petit peu ce qui me vient là. De ne pas vous lancer à corps perdu dans le travail, dans le détail. De ne pas vous laisser aveugler par le fait de devoir être au travail, penser à votre projet, uniquement dans ça. Il y a cette notion là, on est dans du concret, dans du matériel quand on est dans du 8 de pentacle. Il y a cette notion de ne pas vous laisser aveugler par l'aspect concret matériel de ce que vous allez créer, mais de garder votre part émotionnelle, de garder une maîtrise sur les sentiments que ça génère en vous, les émotions. Voilà, ne pas vous couper de vos émotions sous prétexte que concrètement, matériellement, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Voilà, ne pas se laisser aveugler par cette charge de travail ou d'actions concrètes à mener ou de faits ou de... Voilà, il y a peut-être des papiers à faire. Enfin, quand on lance un projet, il y a quelque chose, il y a beaucoup d'étapes à passer, beaucoup d'étapes pratiques, techniques. Donc, ne pas vous enfermer dans ça, ne vous laisser aveugler par uniquement le côté pratico-pratique du projet. Alors, quelle est votre énergie en fin du week-end, les scorpions? Merci. On a ce cavalier d'épée inversé. Donc, on vous dit, n'allez pas trop vite en communication. N'allez pas trop vite non plus en conclusion, en analyse. Prenez le temps de réfléchir avant de parler. C'est ce qui me vient là. Prenez le temps d'analyser les choses avant de les verbaliser. Prenez le temps de la réflexion. Voilà, prenez le temps de la réflexion. Ne foncez pas tête baissée dans une idée, dans une direction. Parce que vous avez une idée, parce que quelque chose vous vient en tête soudainement. Ne foncez pas tête baissée dans cette nouvelle direction. Prenez le temps d'analyser, de réfléchir, de penser tranquillement. Utilisez cette sagesse que vous avez en vous pour ne pas foncer dans une nouvelle direction qui peut-être vous fera perdre du temps et vous obligera à revenir sur des choses que vous aviez déjà mises en place. Voilà, donc prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de l'analyse. Il y a la notion de faire attention aussi à la façon dont vous allez exprimer des choses. Le fait de quitter un environnement qui peut être un peu blessant, qui peut vous amener, qui peut vous faire vous confronter à un environnement où il y a des égos comme ça qui sont un peu piquants. Voilà, prenez le temps d'analyser, de comprendre et de voir comment vous allez répondre. Il y a aussi de cet ordre-là. Donc, en gros, pas de précipitation dans tout ce qui est communication, dans tout ce qui est nouvelle idée, nouvelle pensée, nouvel axe d'orientation. Pas de précipitation. Alors, on va voir le conseil de vos anges pour vous, les scorpions. Un petit message conseil. Quel est le conseil de vos anges?
Le voilà. On vous dit aventure. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà pour vous. Premier conseil. Je vais prendre le conseil d'un vieil Indien. Un dernier message conseil d'un vieil Indien. Le voilà. Et donc, le vieil Indien dit « Comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui, l'immense néant de la vie. » Je pense que ça, vous l'avez compris, puisque vous quittez un environnement, dès que c'est perturbant, c'est dérangeant, vous quittez. Vous avez la capacité de dire, voilà, je m'éloigne, je ne passe pas trop de temps dans cette ambiance-là. Voilà, les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, c'est important pour moi. Et puis, moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.